autorisation, il y a un élément qui doit passer au conseil, c'est la modification de la voirie, comme monsieur le président vient de le dire. Donc ici, elle était élargie, ils vont créer un trottoir. Ils vont bien sûr, enfin, la question, je suppose, qu'il va me poser l'idée, c'est comment faire le réseau, le fond, va passer à droite, via canalisation. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort aussi, après le bâtiment. Mais non, je ne vais pas poser de questions. Ce sera quand au moment du dépôt du permis. Mais je ne vais pas poser de questions là-dessus parce que j'avais posé le. En fait, il y a toute une recherche par rapport à tout ça. Enfin, c'est passé à la CCATM, ce dossier-là passé à la CCATM. Il va encore devoir y passer, il va bientôt être déposé, je suppose, puisqu'ici, je demande de voter la planification de la voirie, c'est-à-dire juste la création du trottoir qui sera. Donc le fossé va être canalisé pour arriver les eaux pluviales vont arriver dans la salle. La chose qu'on peut répondre de manière très, très brève en usine, c'est que le collège est évidemment, comme toi, très attentif au rejet qu'il peut y avoir. Ouais, et nous allons veiller que par le système de récupération d'eau dans cette salle et autres, le débit soit inférieur à ce qu'il est pour le moment. On a signé le grosso avec les deux. Ils vont être en charge de l'étude par rapport à l'étude d'assurance, par rapport aux eaux, etc. Mais le trottoir, c'est pas un espace que les voitures pourraient se parquer, c'est en surplomb. Oui. C'est vraiment pour. C'est prévu dans le permis justement que le trottoir ne soit pas à usage de stationnement. Non, uniquement à usage pédestre. Mais j'avais deux, trois questions tout à fait annexes, mais je ne sais pas si c'est lié au coin strictement. Par exemple, il y a un chemin derrière le lotissement. Est-ce qu'il est conservé par exemple? Je pense que dans le permis d'urbanisation, il sera. Le demandeur devra le revalider. Voilà. Absolument. Comme on espère avoir toute la suite derrière. Mais ça, ce n'est pas, pas dans le coin ici. Non, non, mais ça, il l'a dit. Moi, je ne sais plus ce qui passe, comment, pourquoi. Ici, c'est simplement l'élargissement de la voirie par la création d'un trottoir. C'est ça que nous devons nous accepter, la création d'un trottoir que nous allons imposer en charge du bâtiment. On vous demande de l'accepter. On demande au conseil. Et donc le poids va passer au conseil. Je pourrais vous demander qu'il va. Non, voilà. C'est parce que je me demandais, comme la CCATM se demande dans son avis, qui va entretenir et éventuellement reprendre la propriété de tout le bassin d'orage. Ça, c'est pas important. Ce sera par après, une fois qu'on y passera, mais ça. Dans du collège. Compétence du collège, désolé. Oui, mais la CCATM demande que la commune se prononce, parce que systématiquement, quand il y a un projet de lotissement, c'est logique, il y a les bassins de rétention et de temporisation des effluents. Et donc, à un moment donné, la commune doit prendre une position. Vous avez des contacts privilégiés avec l'AIE, c'est une matière difficile. La commune ne souhaite pas reprendre de tels ouvrages. Et quand on a en face de nous des citoyens, et on imagine que pour eux, ce ne sera pas plus facile non plus de l'entretenir, et que des problèmes, s'ils surviennent, c'est quand même vers la commune qu'on se retournera, à un moment donné, on imagine. Essayer d'établir une politique. Le collège décidera si nous reprenons les ouvrages ou pas. Il ne faut pas affirmer que la commune ne souhaite pas reprendre ce genre d'ouvrage. Mais je croyais que. Nous sommes dans une procédure de réflexion. Justement, on réfléchit pas. Suite à la multiplication des impositions que nous donnons aux promoteurs, justement, nous sommes dans une réflexion sur le travail pour savoir de quelle manière on va pouvoir gérer ça de manière la plus cohérente possible. Parce qu'il y en a de plus en plus, on peut établir un contact avec la IDE, qui est une sous-traitante pour l'entretien, on peut imaginer pas mal. On est en train de négocier tout ça avec eux, de voir quelle sera la meilleure solution pour l'ensemble des futurs bassins d'orage, puisque pour les passés, on ne va pas revenir dessus. Non. Mais ici, il s'agissait simplement d'accepter l'élargissement de la voirie par l'autre part. Ce qui est très bien au niveau de la sécurité. Ceci dit, les services communaux. Pour les gens qui descendent ce tronçon-là. Les services communaux restent accessibles au niveau de l'urbanisme pour répondre à certaines questions qui pourraient être posées aussi. OK, pour cet élargissement. Alors, au 30 septembre 2015, le solde s'élevait à 357 726,14 € et au 31 décembre 2015, à 1 013 061,80 €. Alors, on pourrait croire, étant donné que ces soldes sont positifs, qu'il n'y a pas de souci de trésorerie. En fait, ce n'est pas le cas. Nous sommes en positif parce que nous faisons des emprunts à court terme. Et malgré que ces emprunts à court terme se font à des taux très bas, de l'ordre de 0,60 %, ces emprunts à court terme nous coûtent quand même une vingtaine de milliers d'euros par an. Donc on a
des emprunts à court terme qui s'élevaient au 30 septembre à 2 700 000 et au 31 décembre à 2 800 000. Alors pourquoi ces emprunts à court terme? Parce que nos dépenses sont régulières, donc on doit payer nos factures, notre personnel, etc. régulièrement, alors que nos recettes sont plus irrégulières. Subsides, recettes de l'IPP qui a du retard dans les enrôlements, etc. Voilà ce qui explique. Et qu'il est plus intéressant d'avoir un emploi donc, un crédit tiers, une valeur bien plus, oui, ouais, plus importante. Voilà. Ok, pour la situation de la caisse. Pas de questions ? Non, merci. Donc, le point numéro 8, donc dans la foulée, les comptes communaux et l'exercice 2015. Alors, donc, les comptes communaux, sans surprise, le résultat qui se dégage est largement négatif. Donc, nous avons un mali qui s'élève à 565 000 euros. Au service ordinaire. Et ce mali s'explique par la diminution de recettes à l'IPP de 585 000 euros, dont je vous avais parlé lorsque nous avons réalisé le budget. Donc on a pu ne pas inscrire cette somme pour le budget 2016, mais voilà, il apparaît maintenant évidemment dans votre compte. Alors en fait, si on n'avait pas eu cette diminution de 585 000 de recettes, on aurait eu un compte qui aurait présenté un solde positif de 20 000. Donc en fait, ça veut dire qu'on a géré correctement et que si on n'avait pas eu cette baisse de recettes à l'UPP, notre compte serait en positif. Baisse de recettes est causée par les Ah oui, bien sûr. Est dû au retard d'enrôlement des. Est-ce que ce n'est pas la première fois depuis très longtemps que les comptes sont négatifs? Depuis des législatures entières. Exactement. Depuis avant Mme Laurent. Je ne pense pas que. Je pense c'est que pas un critère absolu. À ma place. Ça mérite d'être souligné. Oui et non. Parce que, comment dis-tu? Il dit ça mérite d'être souligné, la raison, mais oui et non, parce que si l'État fédéral ne nous avait pas annoncé en fin de législature qu'il nous supprimait 600 000 euros pour la grosse louche, on était à plus de 20 000 à nouveau en positif, comme nous l'avions initialement prévu, comme le budget avait été initialement prévu. Et puis on change les règles en cours de route, et puis bam. Voilà. Et malgré tout, on arrive à se remettre, on arrivera probablement après tout le travail du service finance, à se remettre en équilibre au budget, dans la prochaine modification budgétaire. Donc ça veut dire que la gestion était bonne. Maintenant, on espère que l'enrôlement sera meilleur plus tard et qu'on va récupérer. Et donc, alors plutôt que d'avoir un compte peut-être à plus 20 000 cette année et un autre à plus 200, ben, on va se retrouver à moins 600, plus 50, etc. etc. Donc la répartition vraiment. Nous a pas été favorable du tout, comme dans beaucoup de communes. On a déjà. Toutes choses restent hors égales, on est en positif. Voilà. Toutes choses restent hors égales, on est en positif. Mais en changeant les règles pour le budget. Si on avait travaillé à nouveau, on aurait évidemment géré le budget différemment, on aurait géré les comptes différemment, et on serait à nouveau. Par contre, ce mali est intégré dans le budget 2016. À hauteur de cette somme-là, ça va être intégré dans la modification budgétaire que nous allons vous proposer le mois prochain. Oui, et on est obligé de revenir à l'équilibre. Donc les comptes sont en négatif, mais on doit revenir à l'équilibre après la première modification budgétaire. Alors on a déjà eu des fluctuations de recettes d'IPP, etc., mais comme ceci. Grosso modo, c'est. Ton patron ne te paye pas tes congés payés alors que tu as déjà acheté tes billets d'avion. Et en même temps, on a besoin de cet argent-là pour les missions de base. On en est là, on est à l'ordinaire, donc on parle des missions de base, hein, on est bien. Tu veux dire qu'il va falloir retrouver cette somme-là Nous y travaillons. Quelque part. Nous y travaillons. Je pense que nous allons pouvoir répondre favorablement justement le mois prochain. Ok, pour les comptes et la situation.